الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته nous poursuivons donc avec les hadiths de Sahih Muslim كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم donc dans Sahih Muslim les hadiths du chapitre « Les vertus des compagnons » radiyallahu anhum et le premier bab « Bab fada'il Abi Bakrin as-siddiq radiyallahu anhum » donc les vertus de Abu Bakr as-siddiq radiyallahu anhum. Nous sommes arrivés au hadith où l'imam muslim rahimahullah nous dit « Haddathani » حدثني الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا جعفر بن عون عن أبي عميس حا وحدثنا عبد بن حميد واللفظ له قال أخبرنا جعفر بن عون قال أخبرنا أبو عميس عن ابن أبي مليكة أنه قال سمعت عائشة رضي الله عنها وسئلت من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخلفا لو استخلفه قالت أبو بكر فقيل لها ثم من بعد أبي بكر قالت عمر ثم قيل لها من بعد عمر قالت أبو عبيدة ابن الجراح ثم انتهت إلى هذا donc ابن أبي مليكة رحمه الله il nous dit que عائشة رضي الله عنها fut interrogée Qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait-il désigné comme calife s'il avait dû le faire? Donc le prophète alayhi salatu wa sallam, il n'a désigné personne comme calife après lui, de manière directe en disant un tel c'est le calife. Donc ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a nommé personne. Donc Aïcha radiallahu anha, on lui dit qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait-il désigné s'il avait dû désigner quelqu'un? Elle a dit Abu Bakr. On lui dit qui après Abu Bakr? Elle dit Omar. On lui dit qui après Omar? Elle dit Abu Ubaida ibn al-Jarrah. Et ensuite, elle n'a cité personne après ces trois. Donc Abu Bakr, ensuite Omar, ensuite Abu Ubaida ibn al-Jarrah. Donc le prophète, alayhi salatu wassalam, il n'a pas désigné quelqu'un pour être calife après lui de manière claire. En disant « un tel, c'est le calife après moi ». Donc il y a des signes, on va dire, mais de manière claire, il n'y a pas de hadith clair en disant « Abu Bakr, c'est le calife après moi ». Là. Donc il y a des signes qui montrent qu'Abu Bakr est celui qui l'aimait le plus, est celui qui l'a désigné pour guider la prière lorsqu'il était malade, c'est lui qui était avec lui, fil hijra. Beaucoup de textes qui montrent qu'Abu Bakr est le meilleur compagnon, radiallahu anhum, après le meilleur parmi les sahaba radiyallahu anhum. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a désigné personne. C'est d'ailleurs pour cela que lors du décès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils se sont réunis à Saqifat Bani Sa'ida pour savoir qui allait être le calife après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils se sont tous mis d'accord pour, mais au début même l'Ansar, ils ont dit Minna Amir wa Minkum Amir. Ils ont dit il y aura un chef parmi nous, l'Ansar, et un chef parmi vous, l'Muhajirin. Et Abu Bakr, le seul hadith qu'il a pu citer pour calmer cela en disant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Al-Umara min Quraysh ». Donc les chefs doivent faire partie de Quraysh. Mais s'il avait eu un texte qui dit que « un tel, c'est le calife après moi », il n'y aurait pas eu ce problème. Il n'y aurait pas eu ce problème. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a désigné personne comme calife après lui. Donc il y a des textes qui sont des signes montrant que Abu Bakr est celui qui mérite le plus d'être calife après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc Aïcha radiallahu anha, elle nous dit que si le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dû désigner quelqu'un, clairement il aurait désigné Abu Bakr. Ensuite Omar,
Ensuite, Abu Ubaïda ibn al-Jarrah, radiyallahu anhu. Donc, Abu Ubaïda, il fait partie donc de al-Ashara al-Mubashshirin bil-Jannah. Les 10 à qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam a annoncé le paradis pendant leur vie. Donc, nous avons le Khulafa al-Rashidin, nous avons Sa'd ibn Abi Waqqas, Sa'id ibn Zayd, Abu Ubaïda ibn al-Jarrah, Abdurrahman ibn Auf, Az-Zubayr. Donc, 10. Et également, le professeur Sallam l'a cité comme Amin Havihi l'Umma. Aminu Havihi l'Umma. Donc, le digne de confiance parmi cette communauté. Donc, ça ne veut pas dire que Abu Ubaïda ibn Jarrah, il est meilleur que Uthman, il est meilleur que Ali. Donc, nous avons Afdaliyat al-Sahaba, donc les meilleurs parmi les Sahaba. Et ensuite, nous avons Al-Khilafa. Donc, Al-Khilafa. Ahl Sunna, ils considèrent que le meilleur parmi les Sahaba, c'est Abu Bakr, et c'est celui qui méritait le plus Al-Khilafa. Ensuite, Omar, et c'est celui qui méritait le plus Al-Khilafa après Abu Bakr. Ensuite, il y a une divergence sur qui est le meilleur entre eux, Uthman et Ali. Donc, certains, la majorité disaient Uthman, et Ahlul Kufa, ils disaient Ali. Mais, tout en étant d'accord que Uthman, par rapport à Al-Khilafa, est celui qui méritait plus que Ali. Donc, c'est deux sujets bien distincts. Al-Afdaliyya et Al-Khilafa. Deux sujets bien distincts. Donc, ici, par exemple, Aïcha, elle dit que le prophète, s'il avait dû désigner quelqu'un, ça aurait été Abu Bakr, ensuite Omar, ensuite Uthman. Abu Bakr, summa Omar, ensuite Abu Ubaïda ibn Jarrah. Et même, Omar al-Khattab, radiyallahu an, lorsqu'on lui a demandé, yani, lorsqu'il a, lorsque, donc Abu, Omar ibn al-Khattab, radiyallahu an, il a été poignardé par Abu Lu'a al-Majusi. Donc, l'année 23 de l'Hégire. Donc, nous avons le prophète qui décède, alayhi salatu wassalam, l'année 11. L'année 13, Abu Bakr qui décède, radiyallahu an. Et l'année 23, Omar est poignardé pendant la prière de Al-Fajr, la prière de Subh, par Abu Lu'a al-Majusi. Et Omar ibn Khattab, donc le prophète sallam, n'a désigné personne comme calife. Abu Bakr, radiyallahu an, il a clairement désigné Omar comme calife après lui. Et Omar, radiyallahu an, on va lui dire, « Ala tastakhlif, pourquoi ne désignes-tu pas quelqu'un après toi pour être le calife ya Omar ?» Et qu'est-ce qu'il dira à Omar, radiyallahu an ? Il dira, « In atruktu, in atrukkum, faqad tarakahum Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. » Il dit, « Si je laisse les gens sans désigner quelqu'un, c'est ainsi qu'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a désigné personne. « وَإِنْ أَسْتَخْلِفْ فَقَدْ إِسْتَخْلَفَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْ » Et si je désigne quelqu'un, alors Abu Bakr a désigné quelqu'un. Donc soit je suis la sunna du prophète sallam, soit celle de Abu Bakr as-Siddiq رَضِيَ اللَّهُ عَنْ. Et le prophète dit « عَلَيْكُمْ بِسُنَّةِ وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ » Et qu'est-ce qu'il va faire Omar? Il va désigner 6 personnes qu'il dit, c'est ces 6 personnes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est décédé en les ayant agréés. Yani tawaffa an-nabi sallallahu alayhi wa sallam wa huwa anhum radin wa huwa anhum radin. Et il dira lo anna aba ubaydata hayyun lama tukhalijuni aw takhalajani fihi shakk. فلو سألني ربي عنه قلت سمعت نبيك صلى الله عليه وسلم يقول لكل أمة أمين وأميننا أيتها الأمة أبو عبيدة ابن الجراح. Donc Omar ibn Khattab radiyallahu an, il dira, si Abu Ubaida était encore vivant ce jour-là, je l'aurais choisi comme calife, je l'aurais désigné clairement. Donc Abu Ubaida ibn al-Jarrah, il est décédé l'année 18 de l'Hégire. Donc l'année 18 de l'Hégire, donc on a dit, Abu Bakr décède l'année 13 et Omar l'année 23. Donc pendant cette période, nous avons une épidémie, un taoun, qui touche Al-Sham.
plus précisément la région de Amwas, l'année 18. Et Abu Ubaïda, il va mourir martyr là-bas. Donc, Al-Mat'oun, shahid. Donc, celui qui meurt par une épidémie, il est considéré comme martyr. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit, Omar ? Il nous dit, si Abu Ubaïda, il était vivant, je n'aurais eu aucun doute et j'aurais désigné Abu Ubaïda comme calife. Et si Allah Azza wa Jal m'avait questionné dans l'au-delà, j'aurais dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit « Inna li kulli ummatin aminan wa aminu hadhi l'umma Abu Ubaïda ibn Jarrah » Donc chaque communauté possède un digne de confiance et le digne de confiance de cette communauté est Abu Ubaïda ibn Jarrah. Donc comme on a dit, « Al-Khilafa » et Al-Afdaliya sont deux choses différentes. Donc, Omar, il voulait désigner Abu Ubaïda s'il avait été encore vivant. Malgré que Omar, il sait que Othman et Ali sont meilleurs que Abu Ubaïda. Donc Aïcha radiallahu anha, elle nous dit, on l'a questionné, si le prophète sallam avait dû désigner quelqu'un clairement, qui aurait-il désigné? Elle nous dit, il aurait désigné Abu Bakr. Ensuite qui? Ensuite Omar, ensuite Abu Ubaïda ibn al-Jarrah, radiallahu anhu, aminu hadhi al-umma, décédé l'année 18, lors de l'épidémie de Amwas, radiallahu anhu. Donc ici, ça prouve également l'immense vertu de Abu Bakr al-Siddiq. Donc si le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit à Aïcha, s'il avait dû désigner quelqu'un, clairement, donc il ne l'a pas fait, s'il avait dû le faire, qui aurait-il choisi? Il aurait choisi Abu Bakr, et ensuite Omar, radiallahu عنه حدثني عباد ابن موسى قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال أخبرني أبي عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه أن امرأة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فأمرها أن ترجع إليه فقالت يا رسول الله أرأيت إن جئت فلم أجدك قال أبي كأنها تعني الموت يعني جبير بن مطعم قال عليه الصلاة والسلام فإن لم تجديني فأتي أبا بكر وحدثنيه حجاج بن الشاعر قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن أبيه قال أخبرني محمد بن جبير بن مطعم أن أباه جبير بن مطعم رضي الله عنه أخبره أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمته في شيء فأمرها بأمر بمثل حديث عباد ابن موسى. Donc ici nous avons Jubair ibn Mut'im radiallahu anhu. Il nous dit qu'une femme est venue voir le prophète صلى الله عليه وسلم et lui a demandé quelque chose. Et le prophète lui a dit de revenir plus tard. De revenir plus tard. Donc peut-être qu'elle lui a demandé une sadaqa, le prophète il n'avait pas, il lui a dit de revenir plus tard. Et elle, elle lui a dit, Ya Rasulallah, Ara'aita in ji'tu falam ajidka. Ya Rasulallah, si je viens et je ne te trouve pas. C'est-à-dire, elle voulait parler, si tu meurs, Ya Rasulallah. Donc, comme l'a dit Jubair ibn Mut'im, ka'annaha ta'ni al-maut. Si je reviens et que tu n'es plus là, que Allah Azza wa Jal a pris ton âme, qui devrais-je demander? Elle lui a dit, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, Fa'ti Aba Bakr. Va alors voir Abu Bakr al-Siddiq radiallahu anhu. Donc cette femme est venue voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui demander quelque chose, et lui a dit de revenir plus tard. Il lui a dit de revenir plus tard. Donc ici, il y a également dans ce hadith une vertu et on va dire une qualité de Abu Bakr. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, si tu ne le trouves pas, viens voir Abu Bakr. En gros, si je meurs, tu viendras voir Abu Bakr. Donc, ce n'est pas également un texte clair disant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est en réunissant tous ces textes qu'on dit que Abu Bakr al-Siddiq, radiallahu anhu, était celui qui méritait plus d'être calife. Et en tout cas, il y a consensus des compagnons, radiallahu anhum, pour avoir donné allégeance à Abu Bakr lors du décès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, c'est un autre signe. Donc, il lui dit, si je ne suis plus là, si je meurs, viens voir Abu Bakr. Donc, il aura mon poste et sera calife. Donc, ce n'est pas clair, mais c'est un signe du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le hadith qui suit, « Haddathana
عبيد بن سعيد قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا صالح بن كيسان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه ادعي لي أبا بكر أباك وأخاك حتى أكتب كتابا فإن يخاف أن يتمنى متمن ويقول قائل أنا أولى ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. Donc Aïcha radiallahu anha, elle nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, lorsqu'il était malade, donc la maladie qui allait l'emporter alayhi salatu wassalam, il lui a dit, appelle-moi ton père Abu Bakr et ton frère. Donc son frère Abdurrahman, donc qui est le frère germain de Aïcha radiallahu anha. Donc ils ont le même père et la même mère. Donc nous avons Abu Bakr et son épouse Ummu Ruman radiallahu anha. Anha. Donc Abu Bakr, il avait une deuxième épouse qui s'appelle Fatima bint Umais. À la Kullin. Donc lui, c'est le frère Jam Abdurrahman ibn Abi Bakr. Donc, il dit, appelle Abu Bakr et appelle ton frère Abdurrahman afin que j'écrive un texte. Donc afin que Abdurrahman, c'est lui qui va écrire le texte. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam est ummi. La yaqra ou la yaktub, le prophète ne lit pas et n'écrit pas. Pourquoi veut-il écrire un texte, alayhi salatu wassalam? In yakhaf wa yatamanna mutamannin. J'ai peur que, si je décède, que quelqu'un dise, ana awla, c'est moi qui mérite le plus d'être calife. Donc le prophète, alayhi salatu wassalam, il a dit, appelle ton père et ton frère afin que j'écrive, donc, un texte sur qui va me succéder à la tête de l'État musulman si je suis amené à mourir. Car j'ai peur que quelqu'un dise « Ana awla, c'est moi qui mérite le plus. » Et le prophète dit ensuite « وَيَأْبَ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَّا أَبُ بَكَرَ » Alors que Allah Azza wa Jal et les croyants ne veulent que Abu Bakr. Allah Azza wa Jal et les croyants ne veulent que Abu Bakr. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc il craignait que justement les gens divergent après la mort du prophète sallam. Donc également, il y a eu un début de ça. Al-Ansar, ils ont dit Minna Amir wa Minkum Amir. Donc il y aura un chef parmi nous et un chef parmi les Muhajirin. Wa yaballahu al-mu'minuna illa Abu Bakr. Donc le prophète sallam lui dit Allah Azza wa Jal et tous les croyants ne veulent que Abu Bakr comme calife après moi. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était très soucieux donc, de qui allait donc, prendre la tête de l'État musulman, car il est important qu'il y ait un dirigeant à cet État afin qu'il y ait une certaine stabilité. Et c'est pour cela qu'il a voulu écrire donc un texte afin que justement il n'y ait pas de divergence après sa mort. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait cela, car il va ensuite y avoir, comme cela est rapporté dans notre hadith, donc certains diront que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à cause de la maladie, commence à délirer, laissez-le se reposer. Et donc il n'a pas écrit alayhi salatu wa sallam. Mais Allah azza wa jal s'est chargé de protéger donc la communauté musulmane de cette époque en faisant ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam voulait et que les croyants voulaient, c'est-à-dire que Abu Bakr radiallahu anhu devienne à ce moment-là le calife du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc tous ces hadiths, barakallahu fikum, ce ne sont pas des textes clairs disant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a désigné Abu Bakr, mais tous ces textes réunis montrent que Abu Bakr était celui qui méritait le plus d'être le calife. Et cela ensuite, il y a eu Ijma' al-Sunnah sur l'ordre des califes Abu Bakr, Omar, Othman et Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu. Le hadith qui suit, Hadathana Muhammad ibn Omar al-Makki, Qala Hadathana Marwan ibn Muawiyata al-Fazari, An Yazida, wa huwa ibn Kaysan, عن أبي حازم الأشجعي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصبح منكم اليوم صائما قال أبو بكر أنا قال فمن تبع منكم اليوم جنازة قال أبو بكر أنا قال فمن أطعم منكم اليوم مسكينا قال أبو بكر أنا قال فمن عاد منكم اليوم مريضا قال أبو بكر أنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. أبو هريرة رضي الله عنه il nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam un jour il a demandé à ses compagnons et il leur a dit qui parmi vous aujourd'hui a commencé à jeûner. Donc c'était le matin, il a dit qui parmi vous jeûne. Abu Bakr il a dit moi. On a dit ensuite qui parmi vous a suivi une genèse. Abu Bakr il a dit moi. Qui parmi vous a nourri un pauvre. Abu Bakr il a dit moi. On lui a dit qui parmi vous ensuite a rendu visite à un malade. Donc ça, dans la matinée. Abu Bakr, il a dit, moi. Le prophète a alors dit, ces quatre choses, lorsqu'elles sont réunies chez un homme, un serviteur, il mérite le paradis. Il mérite le paradis. Donc ça, également, c'est une vertu de Abu Bakr al-Siddiq, radiyallahu anhu. Donc en une seule journée, il a fait toutes ces choses-là. Il a jeûné, il a suivi une genèse, il a nourri un pauvre et il a rendu visite à un malade. Et surtout, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, celui qui fait ces quatre choses, il mérite le paradis. Donc Abu Bakr le faisait, mais c'est pour quiconque également ferait en une journée ces quatre choses. Donc il est bien, lorsque tu jeûnes, bi-idhnillah, de également essayer de trouver une genèse pour prier sur elle et la suivre jusqu'à l'enterrement. Et nourrir un pauvre, donc tu cherches une personne dans le besoin et tu lui donnes une sadaqa, ou bien tu lui donnes de la nourriture, et également rendre visite à un malade. Tu peux rendre visite à une personne malade chez elle, tu sais qu'un tel est malade, tu lui rends visite. Ou bien à l'hôpital, et tu mériteras, bi-idhnillahi, le paradis. Donc ce n'est pas une chose difficile à avoir, mais malheureusement nous sommes trop négligents par rapport à cela. Et ce hadith, tout le monde le connaît. Ce hadith, tout le monde le connaît et il est facile à mettre en application. Donc jeûner, nourrir quelqu'un, c'est très facile à trouver. Il suffit qu'il y ait une janaza également ce même jour, tu cherches un peu partout dans ta région, tu trouveras une janaza. Et rendre visite également à un malade est une chose simple. Et la récompense est immense. La récompense est immense. Donc également, c'est une vertu de Abu Bakr. Donc parmi tous les sahaba radiyallahu anhu présents ce jour-là, Abu Bakr seul avait ces quatre qualités donc réunies. Donc essayer, donc il faut au moins essayer de réunir ne serait-ce qu'une fois ou plusieurs fois ces quatre choses en une journée. Donc jeûner, suivre une janaza, nourrir un pauvre et rendre visite à un malade. Le hadith qui suit. حدثني أبو الطاهر أحمد بن عامر بن صرح وحرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أنهما سمعا أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما رجل يسوق بقرة له قد حمل عليها التفتت إليه البقرة فقالت إني لم أخلق لهذا ولكني إنما خلقت للحرث فقال الناس سبحان الله تعجبا وفزعا أبقرة تكلم فقال صلى الله عليه وسلم فإني أؤمن به وأبو بكر وعمر قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين راع في غنمه عاد عليه الذئب فأخذ منها شاه فطلبه الراعي حتى استنقذها منه فالتفت إليه الذئب فقال له من لها يوم السبع أو يوم السبع يوم ليس لها راع غيري فقال الناس سبحان الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني أؤمن بذلك أنا وأبو بكر وعمر وحدثني عبد الملك بن شعيب بن ليث قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد عن ابن شهاب بهذا الإسناد قصة الشاة والذئب ولم يذكر قصة البقرة
وحدثنا محمد بن عباد قال حدثنا سفيان ابن عيينة قال حا وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا أبو داود الحفري أو الحفري عن سفيان كلاهما عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث يونس عن الزهري وفي حديثهما ذكر البقرة والشاة معا وقال في حديثهما حدثنا فإني أؤمن به أنا وأبو بكر وعمر وما هما ثم وحدثنا محمد ابن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا الشعباء وحدثنا محمد بن عباد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن مسعر كلاهما عن سعد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. Donc nous avons ici le hadith de Abu Huraira رضي الله عنه. Abu Huraira رضي الله عنه nous dit que le prophète صلى الله عليه وسلم nous dit il y avait un homme qui tirait une vache. Yasuqu rajulun baqara. Donc il conduisait, pardon. Dans une version, il était dessus, lui et ses affaires. Donc il était monté dessus sur la vache avec ses affaires. Donc c'était très lourd pour la vache. Il tafatat ilal baqara. La vache s'est tournée vers lui. Et lui a dit, إني لم أخلق لهذا ولكني إنما خلقت للحرث. Donc, Allah Azza wa Jalla ne m'a pas créé pour cela, mais il m'a créé pour le labourage des champs. Je n'ai pas été créé pour qu'on monte sur moi. Et donc, le prophète, il raconte cela aux compagnons, radiallahu anhum. Donc, les compagnons, ils ont dit, Subhanallah, ta'ajuban wa faza'a. Ils ont dit Subhanallah. Étonné que une vache donc s'adresse à son maître. Et Faza'an également apeuré, car c'est peut-être un signe de l'heure. Une vache qui parle. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Fa inni uminu bihi wa Abu Bakrin wa Omar. Il a dit moi je crois à ça, comme croient en cela Abu Bakr et Omar. Abu Hurayra dit ensuite que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, alors qu'il y avait un berger avec son troupeau de d'ovins, alors un loup l'a attaqué et a pris une brebis. Et le berger a poursuivi le loup et a réussi à rattraper la brebis. Le loup lui a dit, s'est tourné vers lui, فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ ذِئْبُ فَقَالَ مَنْ لَهَا يَوْمَ السَّبُعَ. Qui pourra protéger cette brebis يَوْمَ السَّبُعَ. يَوْمَ السَّبُعَ فِي أَخِرِ الزَّمَانِ. Il y aura énormément de fauves. Et donc, les gens auront peur des fauves et laisseront donc leur brebis. Et il n'y aura personne pour les protéger. Il n'y aura pas de berger sauf moi. Le loup, il dit, il n'y aura personne pour protéger ses... Il a dit, là, tu m'as pris cette brebis, alors que moi, c'est moi qui prendra soin des troupeaux. Lorsque les fauves, les lions, etc. seront présents dans les villes. Donc les gens, ils ont dit, Subhanallah. Et le prophète a alors dit, فَإِنِّي أُمِنُ بِهِ وَأَبُ بَكْرٍ وَعُمَرٍ. Je crois en cela, moi, Abu Bakr et Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Al-Imam al-Bukhari, donc ici c'est dans Sahih Muslim, Al-Imam al-Bukhari rahimahullah, il considère que cette histoire a eu lieu fi Bani Israël. C'est pour ça que vous trouverez ce texte dans Kitab Ahadith al-Anbiya. Kitab Ahadith al-Anbiya, Bab ma yuzkaru fi Bani Israël. Donc il a considéré ce texte comme étant à l'époque de Bani Israël, donc les animaux qui parlent, etc. Donc cet homme, il avait mis ses ustensiles ou bien ses affaires sur la vache et il était monté dessus. Donc la vache, elle n'est pas faite pour être montée. Donc elle est faite pour labourer les champs, etc. ou bien pour être sacrifiée et consommée. Donc, pour les gens qui font
de l'élevage, il ne faut pas monter sur les vaches, car cela donc est très dur pour elles. Allah Azza wa Jalla ne les a pas faites comme un chameau ou bien comme un cheval. Donc ici, Sahaba radiallahu anhum, à la fin donc de ce récit, ils ont dit Subhanallah ta'ajjuban wa faza'an. Donc ils ont été étonnés. Ils ont été étonnés, radiallahu anhum. Donc ta'ajjuban. Donc ils ont été étonnés, car ce n'est pas une chose ni commune. Donc on croit en cela, mais avec étonnement. On croit en cela avec étonnement. Le prophète dit wa ana uminu bihi wa Abu Bakr wa Omar bidun istighrab. On croit en cela sans étonnement. Moi, Abu Bakr et Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Allah Azza wa Jalla ala kulli shay'in qadir. Allah Azza wa Jalla est capable de toute chose. Wa faza'an. Ils ont également pris peur, car ils ont pensé que cela était peut-être un signe parmi les signes de l'heure. Donc deuxième récit, il y avait un berger avec donc son troupeau de brebis, ghanem. Le ghanem, ça englobe ni les moutons et les capriens comme les chèvres, etc. El ghanem. Et donc un loup a attaqué le berger. Ni hada ali. Et il lui a pris une brebis. Et ensuite il est parti, mais le berger a continué à poursuivre le loup jusqu'à reprendre cette brebis. Et le loup s'est tourné vers le berger et lui a dit « Man laha yawma as-sabu'. » Qui protégera ta brebis yawma as-sabu'. Donc yawma as-sabu'. Qu'est-ce que ça veut dire? Idha akhadha as-sabu'. Lorsque les fauves ou bien les lions prendront ta brebis. فَلَمْ تَقْتِرَ لَا خَلَاصِ هَمِينَ. Donc tu ne pourras pas la reprendre. Contrairement à moi. Donc tu prendras la fuite. وَأَكُونُ أَنَا قَرِيبًا مِنْهُ أَرْعَى مَا يَفْضُلُ لِي مِنْهَا. Donc c'est moi qui prendra. Tu viens de me prendre mon risque. Alors que c'est moi qui, يَوْمَ السَّبُورِ, qui prendra le soin de protéger tes brebis. Car toi tu seras occupé par les troubles, etc. Car ce sera un signe parmi les signes de la fin des temps. Ce qui nous intéresse ici, c'est que le prophète, alayhi salatu wassalam, il dit « Ana uminu bihi wa Abu Bakr wa Omar. » Moi, je crois en cela, ainsi que Abu Bakr et ainsi que Omar. Et le plus étonnant, c'est que Abu Bakr et Omar ne sont même pas présents. C'est pour ça, dans l'autre version, « Wama huma thum. » Donc, le prophète, il est seul. Mais il a confiance en la foi parfaite de Abu Bakr et de Omar. Il dit que nous, on croit en cela, moi, Abu Bakr et Omar, d'une croyance sans même aucun étonnement. Contrairement à vous. Sahaba tu'minu nabi dhalika walakin bistighrab. Vous croyez en cela, mais avec étonnement. Donc ici également, le prophète, alayhi salatu wassalam, nous montre la foi qu'avait Abu Bakr, radiallahu anhu. Donc certains, parmi les salafs, ils disaient لو وضع إيمان أبي بكر في كفة الميزان وإيمان هذه الأمة في الكفة الثانية لرجحت كفة أبي بكر. Certains disent que si on mettait la foi de Abu Bakr dans le plateau d'une balance et la foi de toute la Ummah, sans le prophète bien sûr, dans le reste de la balance, la foi de Abu Bakr serait plus forte. Donc le prophète Abu Bakr, Soumia Bissiddiq, il a été appelé Siddiq, justement du fait qu'il croyait de foi ferme en tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam recevait, comme révélation du Coran al-Karim, ou quand même comme sunnah. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rapporté qu'en une seule nuit, il est parti de la Mecque jusqu'à Jérusalem et ensuite il est monté au septième ciel, Abu Bakr, il a cru cela sans le moindre doute. Et le prophète l'a appelé alors As-Siddiq, c'est-à-dire celui qui accueille ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam reçoit bi-as-sidq, avec croyance, avec véracité, et considère tout cela comme authentique. Intahina min bab fada'il Abi Bakrin radiyallahu an wa na'khudhu fi ad-dars al-qadim insha'Allah fada'ila الفاروق عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. Donc nous avons fini avec Fada'il Abi Bakr et nous prendrons dans le cours prochain inshallah Fada'il Umara ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Sallallahu ta'ala yuwaffiqani wa iyyakum li kulli khair.
اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن سبقنا بالإيمان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.